Un club de gym propose une offre spéciale aux nouveaux adhérents. Pour les nouveaux membres, l'inscription coûtera 200 euros et les mensualités s'élèveront à 39 euros. Combien devront payer les nouveaux adhérents pour une durée de 1 an Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de décortiquer ce problème, de voir ce que tu peux faire, et ensuite on se retrouve. Donc ici, ce qui se passe, c'est que si tu veux t'inscrire dans ce club de gym, il y a un coût d'adhésion, hein, pour avoir la carte de membre, si tu veux, c'est le coût d'adhésion qui est de... 200 euros. 200 euros. Et ensuite, à chaque mois, tu devras payer 39 euros. Ça, c'est le coût de la mensualité. Donc, les mensualités, c'est 39 euros par mois. 39 euros par mois. Alors, on va essayer de répondre à cette question. En fait, on va faire ça de manière assez générale. Je pense que tu pourrais directement répondre à la question qui est posée ici précisément. Mais dans la vidéo, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire le lien avec la modélisation par des fonctions affines. Donc, je vais faire ça de manière un petit peu plus générale que ce qu'il faudrait ici pour simplement répondre à cette question. On va essayer d'exprimer le, le montant qu'un nouveau membre doit payer pour une certaine durée, pour un certain nombre de mois. Donc, ce montant-là, je vais l'appeler P. Et ce qui se passe, c'est que de toute façon, on a ce montant de l'adhésion qui est fixe. Donc, même si tu t'inscris et qu'après, tu ne viens plus jamais, tu devras déjà avoir payé 200 euros pour t'inscrire. Et ensuite, à chaque mois qui s'écoule, tu dois payer 39 euros. Donc, si tu viens M-mois, disons, tu viens M-mois, eh bien, chaque mois te coûtera 39 euros. Donc, en tout, tu devras payer 39 fois M. Au total, ce que tu auras payé, c'est le coût d'adhésion plus le montant des M mensualités, donc 39 fois M. Donc on obtient une expression qui te donne le montant total que tu devras payer en fonction du nombre de mois que tu passes dans le club de gym. Alors on va essayer de faire le parallèle avec une fonction affine. Alors je te rappelle qu'une fonction affine, ça représente une droite, et une équation de droite, c'est quelque chose comme ça, y égale M fois x plus p. Ça, c'est une équation réduite d'une droite. Donc ici, il ne faut pas se tromper, on va essayer de bien repérer qui est qui là-dedans, puisque ici, mon but, c'est de montrer que ça, c'est l'équation d'une droite, en fait. Hein. Donc il ne faut pas se tromper, on va essayer de réécrire cette équation sous cette forme-là. Alors j'ai P, le montant total, qui est égal à... Alors attention, ici, tu peux être un peu dérangé parce que j'ai utilisé un M ici, il y a un M qui est là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Quand on parle d'une droite, dans cette équation-là, en fait le x qui est là, c'est la variable. Et dans notre cas, ici, la variable, c'est le nombre de mois. Hein, donc c'est ce m qui est là. Et puis ensuite, le y, eh c'est l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse x. En fait, c'est le résultat de ce calcul-là. Donc dans notre cas, c'est le P, donc le prix total qu'on devra payer pour une durée de M mois. Donc là déjà, c'est pas mal. Alors ce qu'on peut dire en plus, c'est que la pente de cette droite, c'est ce M qui est là. C'est donc le coefficient de la variable, et dans notre cas, ici, c'est ce 39 qui est là. Ensuite, le p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et ça correspond pour nous à cette valeur de 200 qui est le coût d'adhésion. Donc maintenant que j'ai décortiqué ça, je vais pouvoir réécrire ça un petit peu mieux pour faire le parallèle. Donc mon équation, c'est p égale 39 fois m plus 200. Donc si tu veux ici, en fait, ça c'est notre x, c'est notre variable. Ça c'est le prix total, c'est l'ordonnée du point de la droite qui aura pour abscisse euh, x ici m 39 c'est la pente de la droite. Et puis ici le 200, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Voilà, et donc ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça c'est la pente de ma droite. Et donc si tu veux, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tracer cette droite pour vraiment compléter le parallèle. Alors j'ai préparé ici un repère. Ça, c'est l'origine O. Là, c'est l'axe des X, l'axe des abscisses. Puisque j'ai appelé la variable M, ici, c'est l'axe des M. Et puis l'ordonnée, c'est le prix total, le coût total, en fonction du nombre de mois. Alors je vais prendre une échelle ici. En abscisse, un carreau, c'est un mois. Et puis en ordonnée, je vais dire que deux carreaux, c'est 100. Donc ici, c'est 100. Alors, ce qui se passe, c'est que quand je m'inscris, même sans avoir fait de gym dans le club, je dois payer ce coût d'adhésion qui est 200 euros. Donc dès que j'arrive, donc à 0 mois, je dois payer 200 euros. Ce qui veut dire que déjà, ma droite va passer par ce point-là, ici. C'est 200. Et puis ensuite, ben, je peux très bien regarder ce qui se passe pour un mois. Hein. Si je prends M égale 1, M égale 1, au bout de un mois, le prix que j'aurai à payer, c'est 200 plus 39 fois 1. Donc 200 plus 39, c'est-à-dire 239. 239 euros. Donc ça, je peux le placer. Ici, c'est 250. Donc c'est à peu près ici. Hein. Voilà, un peu plus que la moitié. Donc c'est à peu près ça. Et puis je vais placer un autre point quand même. Si je prends M égale 2, donc ça veut dire que je reste deux mois dans le club. Eh bien, la somme que je devrais payer, c'est 200 plus 39 fois 2. 39 fois 2, ça fait 78, donc ici, je devrais payer 278 euros. Donc, j'ai dit M égale 2 ici, 2 mois, et c'est 278, alors on a dit que 250, ici, c'est 300, ici, c'est 300, là, c'est 250, donc 275, c'est au milieu, voilà, c'est à peu près... À peu près ici. Donc maintenant je peux tracer, en fait deux points suffisent, donc maintenant je peux tracer ma droite. Elle est comme ça. Voilà. Alors du coup, en fait, on peut déterminer la mensualité, enfin le, le, le montant total à payer au bout d'un an, en se rappelant que un an c'est 12 mois. Et on peut le faire de deux manières, soit en lisant sur le graphique. Donc ici 12 12 mois, là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est ici. Donc je peux lire le montant pour 12 mois en remontant vers la courbe, donc ici. Et je lis le montant sur l'axe des ordonnées qui est ici. Alors ça fait à peu près, par lecture graphique, ici on trouve 400, 500, 600, 700 euros. Donc environ 700 euros pour une durée de 12 mois. On va vérifier par le calcul ce qu'on trouve. Et en fait, ce qu'il faut faire pour ça, c'est juste remplacer M par 12. Dans ce cas-là, P, c'est 200 plus 39 fois 12. Alors, 39 fois 12, je vais le calculer ici. 39 fois 12, 2 fois 9, 18. 2 fois 3, 6 et 1, 7. 1 fois 9, 9. 1 fois 3, 3. Donc, je fais la somme, 8 ici. 7 plus 9, ça fait 16. Donc, je pose 6 et je retiens 1. Et donc, ensuite, j'ai 1 plus 3, ça nous donne 468. Donc, ici, finalement, le montant total qu'on doit payer au bout de 12 mois, c'est 200 plus 468, ça fait 668 euros. Donc, tu vois qu'ici, par lecture graphique, on obtient une valeur forcément arrondie, puisque déjà, j'ai un peu difficilement placé les points parce que le, le quadrillage n'était pas suffisamment fin, on va dire. Du coup, je trouve une valeur approchée, alors que par le calcul, comme je viens de le faire, je trouve une, vraiment une valeur exacte. Voilà, alors on va continuer, on va faire un autre exercice de ce genre-là. On va faire celui-ci. Pour s'offrir un voyage d'été, Oriana et Anita ont décidé de monter un stand de limonade et souhaitent fixer le prix d'un verre à 1,50 euros. Donc 1,50 €. Pour rentrer dans leurs frais, elles doivent gagner au moins 200 euros, c'est-à-dire que. Probablement, elles ont dû acheter du matériel qui leur a coûté 200 euros. Donc, si elles veulent faire du bénéfice, il faut qu'elles puissent rembourser au moins ces 200 euros. Combien de verres de limonade doivent-elles vendre au minimum Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, essaye de résoudre ce problème de ton côté et ensuite on se retrouve. Donc, ici, on a deux informations. La première, c'est que le prix d'un verre, c'est 1,50 euros. 1,50 euros. On paye 1,50€ par verre. Et puis la deuxième indication, c'est qu'il faut qu'elles gagnent au moins 200 euros. Donc la somme qu'il faut au moins atteindre, c'est 200 euros. Alors je vais en fait définir deux variables. La première, c'est le gain total, donc la somme qu'elles auront gagnée en vendant leur limonade. Je vais l'appeler Y. Donc ça, c'est le gain total. Et puis ensuite, je vais appeler x le nombre de verres de limonade qu'elles auront vendus. Le nombre de verres qu'elles auront vendus. Alors la question que je me pose ici, c'est comment est-ce que je peux exprimer y, le gain total, en fonction du nombre de verres vendus En fonction de x donc. Alors ici, c'est assez simple puisque un verre coûte 1,50€. Deux verres vont coûter 2 fois euro trois verres coûteront 3 fois euro et ainsi de suite et en fait l'expression qu'on obtient c'est que quand on achète x verres, eh bien le prix total de ces x verres ça sera 1,50 fois x. Et ça en fait c'est donc le prix qu'un client paiera mais donc c'est l'argent que Anita et Oriana empocheront donc c'est le gain total. Donc c'est bien y. Voilà, on obtient ici une expression de y en fonction de x. Alors ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demandait, puisque nous, on voudrait savoir combien de verres elles doivent vendre au minimum pour gagner 200 euros. En fait, on obtient une équation. On voudrait que cette somme-là, 1,50 euros, fois x, soit égale à 200 euros. Donc ça, c'est l'équation qu'on obtient. C'est une équation de degré 1 qui est simple à résoudre. En fait, je vais diviser des deux côtés par 1,50€ par 1,5, 1,50 si tu préfères. Voilà. Et donc j'obtiens que la valeur de x, donc le nombre de verres qu'elles vous doivent vendre pour gagner 200 euros, eh bien c'est 200. 200 divisé par 1,5. Alors ça, on peut le faire à la calculatrice, mais je vais essayer de me débrouiller comme ça. C'est 2000 divisé par 15, là j'ai juste multiplié en haut et en bas par 10, ça ne change pas ma fraction. Et ensuite je peux diviser par 5 en haut et en bas, ça me donne en haut 2000 divisé par 5, ça fait 400. Et en bas 15 divisé par 5, ça fait 3. 400 tiers. Alors ça c'est en fait 400, c'est 399 plus 1. 399 c'est 133 fois 3. Hein. Donc ça, en fait, c'est 133 plus un tiers, c'est-à-dire environ 133,6667, ainsi de suite. Voilà, environ. Hein. Voilà, donc on a résolu le problème pratiquement. Hein. En fait, il faut qu'elle vende au moins 133,667 verres de limonade. Évidemment, ça n'a pas tellement de sens, puisqu'il faut un nombre entier ici, hein. c'est un nombre de verres de limonade. Donc là, il faut décider. Si on vend uniquement 133 verres, eh bien on gagnera un peu moins que 200 euros. Donc il faut en fait qu'elle vende au moins 134. Voilà. Bien sûr, comme tout à l'heure, on pourrait tracer la droite représentative de cette fonction. Cette fois-ci, ça serait une droite qui passe par l'origine puisque cette fonction c'est une fonction linéaire. Et on pourrait même exactement comme tout à l'heure résoudre notre équation. Par la méthode graphique, ce qui serait un petit peu moins précis. Voilà, je ne vais pas faire ce travail là maintenant parce que la vidéo est déjà un petit peu longue et je pense que ça serait un très bon exercice que tu le fasses tout seul. A bientôt!